La première fois que j'ai rencontré les enfants de la rue, c'est quand on a fait une descente pour les venir en aide avec quelques vêtements. Et mon impression et ce que j'ai appris d'eux, ils ne sont pas toujours de sorciers ou les noms qu'on école de loin, mais ce sont aussi des enfants qui ont été privés de leur enfance ou leur jeunesse et tout, et qui se retrouvent dans la rue. Et je me rappelle que l'un d'eux m'a dit une fois que non, quand je vole, c'est parce que je veux manger. Je ne vole pas parce que je désire voler, mais c'est ça le moyen le plus facile pour avoir quelque chose pour manger et tout. Alors, et tu sens que non, ils ont besoin de l'affection, besoin qu'on puisse les écouter, besoin qu'on puisse leur donner cette affection. Et pour moi, ça m'a vraiment touchée et ça m'a encore poussée à ce que je puisse me rapprocher encore d'eux pour encore en savoir plus et comment aussi les aider, quoi. Je ne connais ni mon père ni ma mère. Et quant à mon père, j'ai seulement entendu qu'on l'a enterré quelque part. Avant, nous étions à Brazzaville. Mes frères sont restés là-bas. Et moi, je suis arrivé ici. Et là, je cherche, je me débrouille pour vivre. Je n'ai jamais connu ma mère jusqu'à cet âge. Bon, si tu es au tu es au côté de la vie. Ah, caca. Ah, caca. Ok. Comme ça, les dimanches, les samedis, tous les dimanches, tu es au côté de la vie. Comment est-ce que Dieu levé. Ah, Dieu levé, ok. Ça va. Donc, tu es au côté de la vie. D'accord. Yes, ça va. Hein? On va te dire à moi. J'ai eu un garder bien les liens comme ça, sur la force. Ok, d'accord. Donc le malin moi, et soit à la naïve. Ok. En échange avec quel est le témoignage qui t'a beaucoup plus peut-être touché? C'est le témoignage de l'enfant qui ne veut pas retourner chez lui. Pour quelle raison selon lui? Il trouve que dans la rue il est mieux. Waouh. Il préfère plutôt que sa famille, dans la ville où elle se trouve, doive venir s'installer à Kinshasa. Waouh. Alors, et quel est ton sentiment après avoir vu ses enfants? C'est déplorable quand même de voir des enfants se retrouver dans de telles situations où il manque d'hygiène, il manque tout. Il manque de quoi se vêtir, de quoi manger tous les jours. Ils sont errants, comme des gens délaissés par la société. Et puis c'est déplorant de voir que notre gouvernement ne s'en charge même pas. Et que c'est normal aujourd'hui de voir ces enfants dans la rue comme ça, alors que l'État se devait de les protéger. Ça fait mal de les voir comme ça, ils se blessent. Il n'y a pas moyen de se faire soigner parce qu'il n'a pas de quoi. Il a un enfant, il ne travaille pas. Donc c'est triste vraiment, ça fait mal. Parce que ce sont nos frères. Avec Gloria, ce que j'ai compris, c'est que premièrement, elle s'est retrouvée dans la rue, pas parce que c'était son choix, mais parce que quand elle a perdu ses parents, elle devrait se retrouver. Donc son oncle qui a repris les choses et l'a chassée de la maison par rapport aux conditions de vie qui n'étaient pas faciles, et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans la rue. Et aussi, on sent que non, c'est une fille
qui aimeraient être comme les autres filles, avoir un père, une mère et aller à l'école et tout. Mais malheureusement, il n'y a pas tout ça. Et on pouvait sentir que son cœur est blessé. Et ce qui fait que ça l'affectait aussi, donc mentalement aussi. Donc, elle a été affectée par son passé et sa situation du passé aussi. Oui, dans certaines assemblées à Kinshasa, les enfants de la rue sont considérés comme des sorciers, comme des enfants qui portent malheur. Et puis la plupart de ces enfants qui se retrouvent dans la rue, souvent aussi c'est à cause de certaines assemblées qui prêchent que donc, quand un enfant est sorcier, bah, les parents doivent le chasser parce qu'il va leur porter malheur. C'est vraiment répandu. Et c'est pourquoi on verra des enfants dans la rue et les gens sont indifférents parce qu'ils ont déjà reçu des doctrines qui leur poussent à ne pas les aider. Il faut s'occuper des enfants de la rue, des orphelins, des veuves. Il faut s'occuper de l'œuvre du Seigneur. C'est là aussi l'œuvre du Seigneur, de s'occuper de leurs oppressions, de leurs souffrances, de subvenir, d'essayer de les soulager. Si on ne va pas éradiquer leurs souffrances, mais de les soulager quand même. Et c'est cela l'évangile, que l'œuvre du Seigneur, ça bénit, ça fait grandir. Comment Esther. Comment? Je m'appelle Esther et j'ai 13 ans. Je me suis retrouvé dans la rue à cause de mes parents. Depuis ma naissance, je ne connais pas mon père. Étant avec ma mère, ils commençaient tous à me menacer, ma mère et mes frères, de pouvoir aller chercher mon père. Et cela m'a fait très mal. La raison pour laquelle j'ai décidé de pouvoir sortir de la rue. Et ce que je vais maintenant, c'est d'étudier. Je connais là où habite ma mère, mais je ne peux pas y retourner à cause de la souffrance. J'ai fait entre 6 et 7 ans de la rue. Je me suis retrouvé de la rue à cause de difficultés au niveau de ma famille. Le vrai que personne n'est né enfant de la rue, mais plutôt c'est par circonstance que nous sommes retrouvés de la rue. Par exemple, moi, ce qui a fait que je sois de la rue, c'était à cause de la séparation avec mon père. Quand je me suis séparé de mon père, au début, il a envoyé quelque chose. Après, le contact a été coupé. C'est à ce moment que nous sommes retrouvés dans la galère. Bon, moi je proposerais que non, la première des choses, on ne doit pas porter les yeux sur l'apparence sans pour autant approcher. C'est premièrement approcher et savoir là où les gens ont des problèmes, là où ils sont blessés. Et à partir de là, on peut premièrement commencer par lui donner la parole qui est la solution d'abord à tout problème, de présenter d'abord le Seigneur. Et puis, je pense, organiser aussi des moments de rencontres où vous pouvez partager la parole et puis s'il y a possibilité d'organiser des ONG pour les prendre un peu en charge, les éduquer, les apprendre peut-être certains métiers, peut-être maçonnerie ou menuiserie ou tout ce qui peut les aider à ce qu'ils puissent se prendre en charge pour ne pas être dans la rue et voler et faire tout ce qu'ils font dehors. Bon, j'aimerais faire la part des choses aussi. Et en majorité, beaucoup d'églises au Congo ne prennent pas soin de ses enfants. Mais le Seigneur a toujours un reste, ce qui fait qu'il y a toujours quelques chrétiens qui s'occupent de ses enfants. Mais en majorité, on les traite de tous les noms, mais ils n'en prennent pas soin. Et ce qui n'est pas correct aussi. Le projet dans la main du Père, c'est en fait un centre d'accueil des enfants de la rue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pourquoi ce projet? Beaucoup se posent la question. Le vrai est que chaque jour, plus d'1 million d'enfants de la rue affrontent la violence.
les abus sexuels, l'exploitation, la drogue et parfois le meurtre. Âgés de 0 à 8 ans, ils font face à la négligence, l'irresponsabilité de leurs parents, aux mauvais traitements, à la faim et à une pauvreté qui les force à travailler ou à vivre ou à travailler dans les rues. Le problème des enfants de la rue, c'est que vrai que ça n'épargne aucun pays, surtout ici en Afrique. Voilà, notre champ d'action pour l'instant se situe dans la capitale Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, et pour le moment, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et le Seigneur nous a fait grâce à pouvoir effectuer des descentes sur le terrain, voir comment ces enfants vivent. Et nous sommes d'accord avec l'UNICEF qui a fait une statistique, disons une étude par rapport à la réalité des enfants de la rue. Selon l'UNICEF, il existe 3 catégories d'enfants de la rue. Premièrement, nous avons des handicaps pour la rue, c'est-à-dire ceux qui travaillent et ont l'habitude de traîner dans la rue. Nous avons les enfants de la rue qui travaillent dans la rue, mais rentrent chez eux le soir, ce qui est étonnant. Et nous l'avons découvert sur le terrain. Et nous avons les enfants de la rue, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la rue sans soutien familial d'aucune sorte. Sur une population de 11 millions aurait dépassé le nombre de 20 000 enfants avec quasiment... de filles, 46% que les garçons, 54%. Nous avons débuté ce projet en juillet 2016 et avons eu beaucoup de résultats positifs. Après les années, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir mettre en place vraiment ce projet entre la main du Père, qui est un centre d'accueil vraiment des enfants de la rue dans la capitale Kinshasa. Et parce qu'on s'est rendu compte que quand on descendait sur le terrain, bien sûr, on partageait la parole et on leur donnait, on leur donne, parce qu'on le fait régulièrement, la nourriture, on soigne ceux qui sont malades. Et surtout en 2022, le Seigneur nous a fait grâce de faire beaucoup de... beaucoup de descentes, et par là on a eu à partager la parole, et en 2022 nous avons pu baptiser plus de 22 enfants de la rue. Enfin Jérémy, enfin. Ah, même là-bas. Que le Seigneur soit béni. Et on a pu constater que les enfants reçoivent l'évangile, la parole du Seigneur, reçoivent le Seigneur, mais après ils repartent dans la rue. Et ce qui fait qu'après, moi, quand on rentre le visiter, ils ne sont plus là, ils sont dispersés, ils ne sont pas stables parce que la rue, c'est la rue, parce que les conditions dans lesquelles ils vivent, c'est vraiment précaire. Et là, je me rappelle de cet enfant qui venait de recevoir l'évangile. Il pouvait avoir en 2022 peut-être 16 ans, en 15 ans, 16 ans. Il a reçu l'évangile, il a abandonné la drogue, tout ça. Et après carrément un mois, je suis rentré là-bas pour le rendre visite et j'ai appris qu'il a été arrêté. Il est jusqu'à présent en prison. Et dans quelle prison où il est, on ne sait pas, on n'a pas de traces. Il y a d'autres qui ont reçu une balle dans sa main gauche. Et les policiers, il y a un policier qui avait bu, beaucoup bu, et il a fait beaucoup de désordres, il a tiré des balles comme ça. Et voilà, les enfants, quand on est dans la rue ne fait pas cadeau, comme disent... le frère ivoirien. Donc c'est pas évident, c'est pas évident.
Et voilà, vraiment, c'est pour cette raison que nous avons vraiment mis en place ce projet. Nous pensons que ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants.